boutique. On est le 25 septembre. Est-ce que ça nous promet avoir peut-être un nouveau skin? Peut-être un skin qui, du coup, était en crypté du jeu. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu la mise à jour assez récemment. Du coup, on va voir si Epic Games ont mis peut-être des nouveaux skins. Un nouveau skin, des nouvelles danses. Je pense pas qu'il y en a déjà eu hier deux danses qui rapport au groupe BTS. Qui a du coup un petit rappel le 26, un petit événement dans le mode Fête Royale. Voilà, c'est le cadeau. Du coup, c'est parti pour la boutique. Est-ce qu'on a quelque chose de nouveau ou pas? Est-ce qu'il y a un skin que j'attendais ou que tout le monde attend? Ça met du temps à charger ou c'est moi? La boutique est en train de bugger, je crois. Les gars, la boutique est en train de bugger. Il doit y avoir un truc de dingue pour qu'elle bug, non? Voilà, attendez. Il y a un truc de dingue là, non? Attendez. J'ai cru voir ce que j'ai cru voir. Attendez. Oh! Mon information était bonne, les potes! L'information que j'avais dit que le skin Blade allait sortir, c'était vrai! Oh putain, j'avais raison! Ça fait deux semaines que je dis que le skin Blade va sortir parce que j'ai vu des indices comme quoi qu'il y aurait un vampire et que le monde sent un vampire, etc. Et j'ai pensé direct à ce personnage-là. Je vais vous dire pourquoi, parce que premièrement, pour ceux qui connaissent pas Blade, c'est un personnage qui, à la base, est un vampire, mais il chasse d'autres vampires. Diamant, pour ceux qui connaissent le film, moi, j'ai à côté de moi, vraiment, pour de vrai, c'est pas une blague, j'ai le collector juste à côté de moi, des trois Blades, du coup. Franchement, je suis fan de ce film, du mec qui joue dans ce film. Et là, la voir sur Fortnite, les gars, c'est une dinguerie. Ah là là, wouhou. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont l'acheter, à mon avis. Ah, le skin Blade, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller le voir. Je sais pas s'il est sur Netflix, j'en sais rien. J'espère qu'il est sur Netflix ou d'autres plateformes que vous regardez, Amazon Prime, ceux-là où vous regardez vos films et vos séries. Allez voir, les potes, si vous ne connaissez pas. L'âme, l'épée du... peut aussi être équipée en tant que ce genre de dos. Oh, ça, c'est bien, ça. Le pack de ce skin coûte 2300 V-Bucks. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Il a les deux customs, donc celle de la base des films que vous connaissez peut-être pas, mais ceux qui connaissent, vous le savez. Oh, il a vraiment l'épée, la fameuse épée où qu'il utilise. Aïe. Ah, c'est stylé. Je suis fan, là, c'est bon. Oh, y'a. Yeah. Là, vraiment, ils ont même les... Ouais. Il a un planeur aussi, par contre, je savais pas qu'il aurait eu un planeur, je savais qu'il avait eu sa pioche, son épée et tout, mais le planeur, par contre, je suis surpris. Oh, pas mal, même si c'est un planeur vachement grand. Et son emote, c'est quoi? Oh, ils ont même mis son truc là. Dans... Ah, ils ont vraiment respecté. Pour ceux qui, moi, qui connais bien le film et qui l'a rushé, qui a regardé plein de fois, et je les ai même en DVD. Pour vous dire à quel point que j'ai aimé tellement ce film à l'époque, il est sorti il y a tellement longtemps, je ne sais même plus en quelle année, mais ça fait plus de 10 ans à mon avis. Puisqu'à l'époque, j'habite encore chez mes parents. Et ça fait plus de 10 ans que j'habite plus. Enfin, environ 10 ans, on va dire. Et en vrai, je crois que c'est dans les années 2000 ou peut-être que j'ai dit des bêtises, je sais pas. J'avoue, je sais pas quelle année qui est sorti le dernier Blade. Je sais qu'il y a la trilogie juste à côté de moi. Je peux pas le prendre parce que là, il est au-dessus de mon bureau et il est rangé bien et j'ai pas envie de tout démonter. Mais en vrai, les potes, moi qui aime beaucoup Blade et l'univers de Blade, ils l'ont vraiment bien fait. Hein. Comme dans le film. Avec ses lunettes, il a vraiment des lunettes comme ça. Maman un peu plus noire, vraiment ses lunettes, dans Premier Souvenir. Ils l'ont respecté, y compris la coupe de cheveux, c'est vraiment la même. Ils ont respecté le personnage au point. Je veux dire, il ressemble que deux gouttes d'eau. On sait, pour ceux qui regardaient comme moi et connaissent bien Blade, avant d'acheter le pack, on va du coup regarder chaque chose comment il coûte. Le skin à lui tout seul coûte 2000 V-Bucks. En vrai, c'est avantageux d'acheter le pack, parce que vous connaissez beaucoup de V-Bucks. Lui, écoute, non, c'est un skin légendaire de base, mais comme c'est un skin de Marvel, du coup, je sais pas qu'il était dans l'univers de Marvel, par contre. Parce qu'il quand même, il est sorti, il est beaucoup plus vieux que Spider-Man, je crois, en plus. Je pense. Enfin, je sais pas. J'ai des bêtises, peut-être. Ah, le sac à dos. Aïe. On contourne le bruit. Je crois qu'il fait le même bruit que dans le film. J'ai un doute, mais... Franchement. Regardez les potes. Aïe. Ok, ça, c'est le skin, du coup. Là, on a, d'accord, le planeur qui coûte 1200. C'est assez imposant, mais vraiment sympathique, je trouve. Ensuite, également, la petite emote. 300 V-Bucks. Ah, y a la l'emote. L'emote, c'est une dinguerie, les potes. Oui. Le bruit qui fait l'emote, je valide à 100%.
Je réécoute le bruit du panneur. Ok, franchement, le pack, il est une dinguerie. Je vais l'acheter juste après que la boutique j'ai fini. Enfin, dès que j'aurai fini de montrer. On a le retour du skin Typhon avec ses deux petites customs. Voilà, c'est plaisir pour 1500. Nous avons le retour du skin mercenaire pour 2000. Pour 2000 bugs, j'allais dire. Pour 800 bugs, excusez-moi. Je suis tellement contente qu'il est sorti enfin le pack. Également, la petite emote hallucinant. C'est exactement ce que j'ai vu dans la boutique actuellement. Je savais qu'elle allait sortir, mais c'est une surprise qu'il est sorti aujourd'hui. Après la mise à jour, en même temps, il fallait s'en douter qu'il sortait un skin de dinguerie. Vu la boutique, elle a un peu bugué juste avant. Et puis, il le savait, je crois. Également, la pelle à neige pour 800 V-Bucks. J'allais dire n'importe quoi. Pour 500 V-Bucks. La cloche de la mare, 800. Également, elle vient par là, 200 V-Bucks. En vrai, je vais aller vite pour les immeubles parce qu'on connaît bien. La petite patch toujours disponible, bien sûr. Les immeubles, bien sûr, la musique est copyright, donc vous n'entendez pas, vous, forcément. C'est automatique, le son est bloqué à chaque fois. Dynamite, du coup, et la petite emote, diamant, qui est d'ailleurs très stylé comme danse, et la musique aussi, c'est plutôt sympathique. Également, le retour des ensembles, donc on va aller vite parce qu'on les connaît plutôt bien, avec plusieurs customs, la star de la fête, nous avons Noptuna, nous avons la patronne de la fête, bon voilà, on les connaît plutôt bien ces skins. Vous avez également Diva de la fête, également pour 1500. Vous avez aussi, du coup, le retour du skin Aguité pour 1200 V-Bucks avec son sac à dos. Voilà, deux petits skins. Elle a plusieurs customs, donc je vous laisse montrer les customs qu'elle a. Vraiment, ça, c'est des skins par rapport à la fête. Vu que je rappelle qu'il y a un petit événement musical le 26, donc il ressort les skins musicales. Voilà. Également, sa pioche, qui a deux customs pour 1200. Nous avons le DJ Pop, B-Pop aussi, de retour pour 2000 V-Bucks avec deux customs. Ça fait plaisir, son petit retour. On a également Balance la sauce pour 800 V-Bucks. Ensuite, pour finir cette boutique, on a également le skin Luminex. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti. Je l'ai déjà, mais ça fait super longtemps. Ah ouais, ça fait plaisir, son petit retour. À lui, il a beaucoup plus la fille qui sort que le garçon, mais moi je l'avais déjà, mais voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas et qui aiment bien collectionner les skins, je sais que vous le l'achèterez peut-être. Du coup, il coûte pas trop cher en plus. La petite bâton luisant pour 800 V-Bucks. Nous avons les darceleurs, la petite planeur qui va avec le skin garçon qu'on a vu juste avant, 500, et du coup, la emote Brandon, ça aussi ça fait un petit moment qui est parti. Il y a aussi une emote qui est sortie il y a très longtemps. Hein. Pour 800 V-Bucks. Du coup, on va revenir sur le petit pack. Moi, je vous le conseille de l'acheter à 2000 V-Bucks, 2300 V-Bucks. Vous économisez beaucoup de V-Bucks en achetant le pack en entier, en achetant en plusieurs. Enfin, franchement, en vrai, c'est cadeau le planeur. Si vous regardez, le skin il coûte 2000 V-Bucks, d'accord. La pioche qui fait aussi pioche et ce cadeau qui est avec, franchement. La danse, elle est 300 V-Bucks. C'est comme si vous achetez que le skin, la danse et le planeur, vous l'avez gratuit. Moi, je vous dis, c'est assez rentable. Donc, direct, je me l'achète ce petit pack de skins qui fait plaisir, mais vraiment plaisir. Là, Epic Game, haha, je vous adore. Là, franchement, et franchement, pour ceux qui ne connaissent pas, à la base, Blaze, son vrai prénom, c'est Eric. D'ailleurs, c'est marqué là. Je viens de voir qu'ils l'ont marqué, c'est bien. Du coup, alors, pour ceux qui ne connaissent pas le film, et peut-être que vous êtes peut-être jeune et que vous regardez la vidéo, peut-être que vous ne le connaissez pas. Allez voir sur là où vous regardez vos films et vos séries, peut-être qu'il y est. Vous marquez Blade, comme le nom qui est marqué là. C'est vraiment le nom du film. Il y en a trois. D'accord. Et vous regardez, peut-être que si vous aimez bien l'univers vampire, l'univers, comment dire, je sais pas comment on pourrait. Ouais, c'est. Bah, ciseaux, si vous n'avez pas du genre à avoir peur des vampires ou tout ce qui est lié au sang, etc., vous devrez aimer, normalement. C'est pour tous les âges, enfin. C'est pas un film d'horreur non plus, hein, je vous rassure. Pour ceux qui ont peur des films d'horreur, vous inquiétez pas, ce n'est pas un. Enfin, faut aimer genre l'univers. Moi, je l'aime bien. J'ai toujours aimé cet univers-là. Donc, en vrai, voilà. Bref, sur ce, moi, je vous laisse sur cette fin de vidéo, sur cette dernière petite page. Je vais la mettre directement, le skin. Hop, on va faire s'équiper direct. On va tout s'équiper. Sauf le planeur, non, parce qu'il est vachement grand, comme. Et on va s'équiper la lance après. On va regarder quelle lance où je vais la mettre, du coup. Hop, le petit skin dans le casier. Oh, ça fait plaisir. Moi, je vous dis à ce soir, les petits potes, pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et du coup, demain, normalement, il y aura la vidéo aussi des pièces vertes et bleues, parce que j'ai pas encore trouvé toutes les pièces.
Il en manque encore une bleue et deux vertes que je n'ai pas encore trouvé. J'ai trouvé derrière la pièce en or et les deux pièces violettes. Donc, je les ai mis sur ma chaîne. Allez voir si vous voulez, du coup, cette semaine, la semaine 5. Voilà, si vous voulez rusher les XP comme moi, regardez bien, je suis au niveau 206. Et c'est aussi parce que j'ai rushé les défis de cette semaine, du coup d'aujourd'hui. J'ai pas encore fini, il me reste encore 3 défis. Bon, après les autres défis, il faut le faire ça à main normale, faire danser les robots, ce genre de conneries. Il faut trouver les boogies, quoi, en fait, voilà. En gros, c'est assez facile à faire. Mais il faut trouver les boogies et après faire ça aux robots. C'est une chose. Bref, sur ce, à la prochaine. Bye bye les potes.